Ce samedi 6 janvier, on nous annonce la mort du célèbre chroniqueur Anaconda qui intervient sur la télé La 3. Le général Camille Makosso devenu inconsolable. Je vous laisse regarder. Il y a des décès quand tu apprends, tu dis, oh Yanko, oh vraiment c'est triste. Mais il y a des décès quand tu apprends, ça te broie jusque dans ta chair. Parce que tu connais l'individu. Et tu sais que l'individu est tellement gentil. Anaconda est tellement gentil en tant que personne. C'est vrai que certaines personnes, peut-être dans leur esprit, pensent que peut-être moi et Anaconda, il y a une rivalité ou bien il y a un problème. Jamais. On n'a jamais fait une émission tant qu'on ne s'est pas vu au préalable. Pour qu'ils me disent quel est le sujet pour toi que tu ne veux pas que j'aborde pour ne pas te blesser ou pour ne pas te frustrer devant la nation. C'est ici dans ce bureau, j'ai toujours dit à Anaconda, je veux tester ma performance. Amène-moi dans mes derniers retranchements. Fais sortir tout ce que tu peux sortir. Ce que tu as appris, que ce soit vrai, que ce soit faux, fais sortir. Ça va me permettre de me roder. Je veux un jour voir quelqu'un qui pourra me déstabiliser sur un plateau télé. Parce que j'aime ce jeu de questions-réponses. J'aime ça. Ça me permet de tester. Gentil, gentil. Anaconda va venir au bureau quand on se croit, on se croit peut-être chez Moula. Anaconda, humilité, respect. Anaconda va t'appeler. Ah champion, mon petit mouvement qui est censé gagner un peu d'argent. Voilà, les gens sont en train de raconter ça sur nous. Les sorciers de sa famille, les sorciers ont vu l'étoile d'Anaconda. Un an. Anaconda a pris le monde entier. On te tue. On te mange. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. On est dans des familles, hein. On est dans des familles. Mais les gens sont méchants. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Il faut diminuer le son. Chez toi là-bas, quand elle ferme ta porte. Les gens sont méchants. Hein? Nous sommes dans un monde là. Le monde dans lequel nous sommes là. Les gens sont méchants. Hein? Anaconda était à Ivoire TV Musique. Anaconda a lutté, 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 lutté. Aujourd'hui, il a signé un contrat avec la télévision nationale. Un bon salaire. Une petite voiture. Lui que tout le monde prenait pour le repéro. Parce qu'Anaconda était vu comme un repéro. C'est lui toujours, il doit être repéro. C'est lui toujours, il doit attraper sac des autres. Un jour, Yaka l'a dit, pas méchamment. Mais c'est l'image que les gens avaient. Lui qui doit attraper le sac des boucantiers. Anaconda a lutté. Malgré son handicap, Anaconda a dit, moi là, je ne vais pas finir comme ça. Il a lutté petit à petit jusqu'à... Maintenant où il doit manger, s'occuper de son avenir, de ses enfants. Les gens sont méchants. La dernière fois, j'ai suivi l'émission parce que moi, mon WhatsApp ne passe plus. Je ne sais pas quel problème j'avais sur le téléphone. Tous les WhatsApp que je mets, parce que pourtant c'est ici tous mes contacts avec les autorités, ils sont. Donc maintenant, c'est difficile de me joindre. J'ai vu une émission où Marie-France, on disait non, Anaconda a quitté la télévision. Autre, les gars, mettez les cœurs pour ne pas que les pleurs puissent faire qu'on va signaler le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, faut pas que... Les cœurs que vous mettez, c'est pour Anaconda. Faut sécuriser le direct. Marie-France a fait une vidéo où les gens disaient que non, Anaconda est parti, pour qu'on va appeler Anaconda et autres. Et je regarde, je vois la télé. J'étais en France. Anaconda qui est couché, qui dit non, actuellement je ne me sens pas bien. Je suis en train de me soigner. En décembre, en fin d'année. Ah!
Seigneur. Anaconda n'était pas n'importe qui. Anaconda n'est pas allé faire école de journaliste, il va devenir journaliste professionnel. Anaconda te pose les questions selon ton cœur. Il n'était pas méchant. Parce que les gens après vont commencer à parler. Ou est-ce que c'est pas Dieu qui l'a frappé? Ou il humiliait les gens? Non! Tout ce que vous voyez, c'était des scénarios. Tout était des scénarios. Il n'avait rien de méchant. Tu finis l'émission avec Anaconda et dis, mais tu n'as pas parti comme ça? Hein? C'est vous les boss? Simple, simple, simple. Pourquoi ce sont les bonnes personnes qui vont si vite, Seigneur? Pourquoi les maudits, ceux qui sont des tueurs, des voleurs, ils vivent longtemps? Ah! Il doit pas réussir et on te livre. Non, Anaconda n'est pas mort comme ça. Non. Je suis pas prophète venu de Dieu, mais dit non. Pas mourir comme ça. C'est vrai que nous tous sommes appelés à mourir, mais à un moment donné, ça suffit. On a des gens qui sont profondément méchants dans nos familles. Retenez ça. C'est pour cela, quand tu es en 2024, là, pardonnez, écoutez-moi, hein. Je ne suis rien, je ne suis personne pour vous parler. Père, son âme, faites attention. Je l'ai dit, qui se rappelle, je l'aurais dit, 2024 n'est pas une bonne année. Le pasteur qui passe cette année, c'est ton année, c'est pas une bonne année. 2024 est une année de la mort, faites attention. Je vous en conjure, je vous en supplie. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. 2024 a pardonné. Votre vie, Jésus. Votre vie, la prière. Votre vie, le jeûne. Soyez cachés, vous.